Bon matin à toutes et tous. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour entamer cette nouvelle semaine et ce nouveau mois. Nous sommes le mois de décembre. Nous sommes lundi 2 décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle de l'éveil de l'âme et on terminera avec le message de l'univers, mais avant toute chose, la petite philosophie du matin. Et la pensée positive de ce matin, c'est isolement. Le calcul, le manque de générosité, l'avarice, isole. Si l'on veut être entouré d'amitié et d'amour, eh bien, il faut savoir donner sans compter. À méditer, n'est-ce pas? Magnifique l'oracle que nous allons commencer. Vraiment, un très très joli oracle. Et dans cet oracle, l'oracle de l'éveil de l'âme, dans cet oracle, il est structuré en quatre familles qui est liée aux phases du soleil, c'est-à-dire l'aube, le zénith, le crépuscule et la nuit. Donc, les cartes vont représenter un symbole qui symboliseront soit l'aube, le zénith, le crépuscule ou la nuit. Et c'est ainsi que connaître la phase dans laquelle s'inscrit la carte du jour, eh bien, cela vous donnera une indication sur l'étape dans laquelle vous êtes. Et pour aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le lotus, le repos. Et c'est la famille de la nuit. Et pendant la nuit, n'est-ce pas, le soleil est inexistant. Et dernière phase du cycle durant laquelle, eh bien, cette lune a pris le relais et un nouveau monde mystérieux s'active. La nuit est connectée à l'énergie du yin, c'est-à-dire à tout ce qui relève et bien de l'inconnu, de l'intuition et du calme. Et dans cet oracle, eh bien la nuit vous invite à vous poser, à trouver le calme en vous pour vous relier au monde subtil. Vos rêves, votre intuition, votre foi peuvent vous aider à trouver des réponses, n'est-ce pas? Mais aussi, la nuit symbolise la fin. C'est pourquoi on trouve, dans cet oracle, des notions de deuil. Eh bien, la famille de la nuit vous propose de vous relier à plus grand que vous, à épouser votre part spirituelle et à accepter, les fins de cycle pour accueillir le renouveau. Donc ici, je suis dans le lotus. Eh bien, cette carte du lotus, elle vient vous interroger sur l'espace et le temps que vous vous accordez, que vous accordez et sur les conséquences que cela implique. En fait, le repos permet de retrouver de l'énergie, de clarifier une vision, de prendre du recul, d'accueillir, de nouvelles idées, de trouver des solutions, de se régénérer, de se purifier, d'étendre son corps, peut-être aussi mieux digérer, mieux dormir. Voyez, la liste, elle est encore longue, n'est-ce pas? Et la carte du lotus, elle vient attirer votre attention sur votre besoin, comme tout être humain, de douceur, de calme, d'espace et de temps. Cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous
et peut-être à ralentir. Ayez confiance en votre capacité à trouver ce qui est bon pour vous. Et encore une fois, sans agir et sans faire. Vous pouvez vous demander quelle partie de vous a besoin de repos. Posez-vous cette question. Que feriez-vous si vous vous accordiez de l'espace et du temps? Deuxième question à vous poser. Troisième question, qu'est-ce que cela changerait par la suite? Et enfin la dernière, que feriez-vous si vous agissiez avec sagesse? Eh bien, en ralentissant, ça vous permettra, ça permettra plutôt à votre corps et à votre esprit de retrouver un état de pureté et d'équilibre. Vous savez, vous pouvez faire confiance en votre capacité de trouver ce qui est bon, ce qui est meilleur pour vous, sans agir et sans faire. Donc c'est peut-être le moment, n'est-ce pas, avec cette fleur de lotus, de vous reposer. Est-ce que le repos serait-il nécessaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous devriez prendre du recul pour mieux visionner la situation? Peut-être prendre du repos pour accueillir de nouvelles idées. Et peut-être aussi, c'est dans le repos que vous pourriez trouver des solutions à la problématique que vous vivez présentement. Et c'est ainsi que ça, évidemment, que ça purifiera et ça vous régénérera, ça serait propice pour vous, pour votre corps. Peut-être que vous êtes au bout du rouleau, là. Vous êtes dans une impasse. Et c'est en vous reposant, en prenant du recul, que vous pourriez trouver les solutions. Détendre votre corps, c'est aussi important. Parce que votre corps est votre véhicule ici sur Terre. Donc, cette fleur de lotus, eh bien, elle vient vous dire que vous devriez prendre du repos. Beau message de l'oracle de l'éveil de l'âme. Et je termine avec le message de l'univers et la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, eh bien les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Voyez, allez, belle synchronicité, n'est-ce pas? Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule. Peut-être que c'est vrai qu'avec la fleur de lotus, voilà, prendre du recul par rapport à certaines choses, vous reposer... Bon, ben, la plume vous dit, reposez-vous. Allez, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.